On est de retour YouTube direction Valentine's avec notre pote. Hop, let's go. Et ouais, il a l'air d'en avoir bavé. Ok, c'est par là qu'il faut passer. T'échanges à chaque stream. Ah, mais du coup, t'en as bien profité, quoi. Contre les doubles attaques, les PO. Après, personne n'attaque les boss, hein, aussi. Hein. T'attaquerais les boss, t'auras plus de PO, hein. Surtout que maintenant t'as des bonnes stats, Yvendil. Ça c'est bizarre qu'elle soit arrivée aussi vite, les autorités. Est-ce qu'on l'aurait pas prévenu? Salut en pagaille! Ah oui. Je suis un cow-boy. Comment vas-tu? Ah, il a plein de sous. Tiens, regarde, du coup, tu peux t'acheter ton arme. Putain, mais tu viens, toi? Ah, dos coincé depuis 5 jours. Ah ouais, en plus, c'est vachement douloureux. Tu l'as pris en solde, Red Dead? Ah, je comprends. Moi aussi, je l'ai fait, ouais. Je me suis dit, c'est l'occasion de le découvrir. Je crois qu'il était à 20 balles. Écoute, pour 20 balles, c'est vraiment grave cool. Ah tiens, j'aimerais bien aller voir l'armure Riev. Hein. Ah, il faut que je monte sur mon cheval, ok. Ah, ça c'est un peu nul. Ça, c'est un peu nul. Parce que la quête s'attend que je chevauche jusqu'à Valentine. Et du coup, si j'ai pas fait les 50 mètres qui manquent. T'es avec Reeve. Ah, du coup, tu vas passer beaucoup de temps avec Reeve. Attendez, ouais. On va attacher le cheval. Ah, t'as de quoi faire. Mais après, oui. Ça, typiquement, ça vaut le. C'est quoi ça? Ah, c'est la banque. Tu vas alterner avec les deux? Bah écoute, trop bien. Hein. Les meilleurs jeux quasiment de leur genre. Tu vas te mettre bien. Je m'accoude au bar. Et là, du coup, tu vois que le jeu est pas ouf parce qu'à cause du stream, je peux pas le mettre à. Mais il est vraiment super beau, quoi. Ah oui, c'est vrai, c'était bagarré. Toutes les quêtes et tous les points d'interrogation? Reste zen, Arthur. Ah ouais. On est vraiment diplomatie. T'as la diplomatie qui a réussi. Tous les points d'interrogation, ça sera sur la durée, il y en a tellement, ouais, de ouf. Hein. Mais ça c'est la particularité des open world en pagaille. C'est qu'ils en mettent le plus possible pour vraiment que, avoir un monde ouvert qui soit vraiment. Qui soit vraiment. Tu vois, où t'as des choses à faire. Bon, salut tout le monde.
T'es où, Lenny? Oh putain, il... J'espère qu'il a pas été à l'étage. Ah, il est rond comme un... Oh. On peut rentrer dans les pièces. Ah, c'est fermé. Le son du jeu est un peu faiblard. Ouais, mais écoute, je vais essayer de l'augmenter, mais je peux pas le... l'augmenter beaucoup plus. Ah! J'ai trouvé Lenny! Oh putain, j'ai trouvé Diak qui était au-dessus. On a encore perdu Lenny. Du coup, tu me dis ça un peu mieux, mais... Attends, j'espère qu'ils sont pas, en train de se battre. Soirée beuverie, ouais, c'est ça. Putain, mais ça va se terminer en bagarre, je sais pas me battre. Oh, Lenny, dis-moi que tu te bagarres pas. Lenny, j'en étais sûr que c'était toi qui te faisais la bagarre. Ah, je veux pas me battre. Oh non. Oh là là. Attention, fais gaffe quand tu pisses, mon petit... mon petit Arthur. Il y a des... O'Driscoll qui ont eu des soucis. Attention, il faut... Oh, oh, attendons. Ok, on voit rien. C'est beau. Ah, mais t'as, il est rond. Il est rond de chez rond, ce Arthur. Attends, on va mettre ta braguette. C'est pas Lenny! Oh là là. On voit des Lenny partout. C'est drôle cette scène, putain. Ah, c'est Lenny! Ah, Lenny. Lenny, c'est Lenny. Salut White Wolf, comment vas-tu? Ah, c'était pas Lenny. Lenny! Where are you, Lenny? Ah, Lenny, il est aussi rond que moi. Dam, dam. Plus, la musique est cool, quoi. Toi, Lenny. Tu
pas le noyer, non, je vais pas le noyer. Moi j'ai l'air un peu bourré, non, je sais pas ce qui te fait dire ça, White Wolf. C'est quand le prochain Pixel? C'est le 17, normalement. Cours! Attendez. Là, je cours en bullet time. Oh là là, je vais me faire tirer dessus. Bon après c'est peut-être une exclue parce que je suis pas sûr que ça a été annoncé officiellement. Exclue totale, what premieres. Il y avait une scène aussi qui était super marrante, c'était dans le jeu, comment ça s'appelle le jeu qui se passe dans l'époque médiévale, qui était un peu une simulation. Il y avait une scène pareil où t'es complètement bourré qui était extrêmement drôle. Mais j'ai... OMG leak! OMG leak! Oh là, putain. Allez. Ah, j'espère qu'il y en a qui ont pas le... Quoi ça s'appelle? Le syndrome vomitif. Comment ça, la mission est terminée? Même ça, j'ai pas réussi à... avoir 100% sur la mission, non. Alors qu'il vient d'apprendre l'arrestation de Mika à Strawberry, Arthur emmène discrètement Lenny boire un verre avant le time afin de le calmer. Ne vous faites pas arrêter. Surprenez Lenny en pleine action. Faites amende honorable auprès d'un vieux rival. C'est ça, Kingdom Come. Exactement. Pour vous reposer, maintenez E. Vos noyaux ne se vident pas quand vous vous reposez, ils se rempliront. Ah, je me repose. Faut que je me repose. Hein. J'établis le campement, peut-être. Non. Fabriquer. Ah, je peux fabriquer des... Ah, je peux pas faire du café. Ah, il faut un feu de camp. Ah, mais d'accord, on peut fabriquer tout ça. Ah, je peux même faire des balles explosives. Ah, c'est stylé. Appât prédateur. Ok, mais je peux rien faire. Let's go. Balle pour revolver Sanda. On peut faire des balles pour revolver. Ah, c'est trop stylé. Ah, mais je peux en fabriquer. Ah d'accord, il faut que je les fasse vraiment une par une. Temps normal, c'est-à-dire. Ok. Oui, mais du coup, ça... ça implique quoi? Qu'est-ce que je peux faire en normal que je peux peut-être pas faire en difficulté supérieure? Où je suis où, moi? Mais je suis ici. Je pourrais peut-être voir le révérend Swanson. Je suis à côté, ce serait peut-être la bonne occasion. Mais tu connais un peu le jeu? Donc, monsieur, attendez, c'est quoi pour appeler mon cheval? T'as comment j'ai fait pour appeler le cheval? Putain, je me rappelle d'aucune commande. C'est catastrophique. Appelez le cheval. Ah, sifflez votre cheval, c'est H. Ah, pour H, pour As. J'ai get. Vos chevaux sont trop loin. Oh, fuck. Putain, sale histoire, mon cheval. Pour avancer, c'est le joystick gauche va avoir... Ben non, parce que du coup, je joue au clavier.
Alors, un White Wolf, hein, c'est pour dire des bêtises, hein. Pas la peine, hein. Tu as amélioré le lien d'affection qui unit à votre cheval. Ouais, bah écoute. J'ai mes armes quand même, quoi. Ah, j'ai mes armes. Très important. Il n'y a pas moyen de la fabriquer plusieurs d'un coup. Hein. Parce que bon. Ah, mais là, je trouve plus fun. Bon, on m'a dit qu'il fallait... c'était mieux d'y jouer clavier-souris. Après, vu que c'est un FPS, ça peut se comprendre, moi. Un TPS. Oh, il y a le train. J'aimerais bien prendre le train. Ah, il y a le train. Incroyable, le train. Chou, chou. Tu fais manette souris. That's out. C'est trop stylé. Et toi. T'es allé où, révérend? Je crois que c'était lui, le révérend. Pourquoi il y a une croix? Non! C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais pas faire ça, excusez-moi. Je voulais le cibler pour essayer de lui parler. Pas te parler. Ah, il est là, le révérend. Bonjour. Then your God has finally deserted you. What you talking about? I took your advice, sir. I have removed myself from morphine. Il est bourré aussi. Il y a beaucoup de bourrés, ouais. No more shall I sink, sir. I'm free. I am free. You don't seem free, friend. You seem drunk. Bah, et c'est toi qui dis ça? Bah putain. L'hôpital, la charité, hein. Putain, heureusement qu'Hiron m'avait pas là parce qu'on est régulé avec le chapeau. Putain, ça. These are good men, Arthur. They're children of God. They're children of God. Oh. Well, how's about you playing his place? Well, that seems fair. Fair. Putain. On va jouer au poker. Non, c'est quoi? Bien sûr que je joue. Sure. I'll play a few hands. J'ai plein de thunes. Alors, c'est du poker. Regardez le révérend qui se barre à quatre pattes. Der. Alors, je suis de petite blague. Ah oui, c'est du poker. Putain, mais c'est super cher en fait. Ah non, la petite blague est à 2 centimes. On a Dame 10. Je relance. Je relance, c'est une bonne main. Ça marche, merci en pagaille, bonne soirée à toi. Bon, du coup, c'est pas très... Alors. Ah, on a une paire de dames. Ah, il suit. Ah, mais en même temps, vous avez vu le pot qu'il a. Putain, ils sont trois à suivre. Ah, il y a un as. Je check. Il check aussi. C'est peut-être un check trap. Ah, on a une double paire. Là, il va falloir mettre. Ah, il suit. Mais en même temps. Mettre deux paires. Pouah, j'ai gagné! Appelez-moi Patrick Bruel!
Bah, j'ai deux paires. Paire de dames et paire de 10. T'as pas fait gaffe, White Wolf? J'avais... Quoi ça s'appelle? Dame 10. Et il y a eu la dame au flop et la 10 à la river. Alors, on a quoi? Putain, on a la même main. Ah, je relance. Elle m'a porté chance. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir au flop? Encore une paire, hein? Et check. Moi, je pense qu'il faut... Il faut montrer. Il se couche. Et voilà, bim, putain, mais quel joueur! Quel joueur! Hop, à moi la thune! Regardez comme il est content. Allez, c'est qui est une petite blinde? Ah, je suis une grosse blinde. Bah, écoutez. Après, je... C'est quoi? Pff, As-2. C'est ça, As-2 ou As... Non, As-9, pardon. Oui, j'ai... Oui, As-9. Pouah. C'est pas mal, mais... C'est de la même couleur. Attendez, je vais regarder un peu plus mes cartes. Ah non, pique et trèfle. Je vais relancer un petit peu, vu que je suis de grosse blinde. Il suit. Ah, mais du coup, oui, la relance, c'est en plus de notre blinde. Ah, on a l'as. Ah, double paire encore une fois. Il mise 18. Moi, je relance de 40. Et il suit. Ah, l'autre, il s'est couché. Ah, il mise 36. Ah, bah écoute. Je vais le faire aller à tapis. Hein. On va voir. Oh putain, là. Oh là là. Putain, ils sont vraiment nuls, hein. Son of a bitch, you know that? Oh, I'm surely a son of a bitch, but lucky? I ain't so sure. Come on, you. Let's move along. Mais il est parti, hein. Where is he? Super nul, oui. I don't know. Shit. Excuse me, gentlemen. Reverend. Après, je pense que c'est scripted. Vous pouvez parler aux personnes qui vous entourent en maintenant pour interagir avec elle. Je vous questionne. Excuse-moi, je suis désolé. Vous voyez un drunk idiot, un priest wandering about? Sure, we saw him. Voilà ça. And avoided him. C'est assez drôle ça. Il est parti par là-bas, ok. Ouais. Ouais, merci les gars. Ah, bah du coup, ils nous ont indiqué. Putain, en plus, j'ai même pas mon cheval, quoi. Faut que je la paie. Ah mais c'était marrant parce qu'on l'a vu partir à quatre pattes. Ah, je veux pas courir quand même. Oh, putain, elle était au lac. J'ai mes armes ou quoi? Non, j'ai pas mes armes. Ah mais il est vraiment cool ce jeu. Hein. Y a rien à dire en termes de. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh putain, on va se battre. Oh, je refuse de me battre. Je sais pas me battre. Aïe. Ah, je suis nul à la bagarre. Y'a pas un truc où je peux me protéger? Remède. Mais putain, je suis trop nul à la bagarre. Reprendre mon dernier point de passage, bien sûr, je reprends mon dernier. Putain, il y a un truc que j'ai pas compris à la bagarre. Putain, ouais, bah ok, je sais où il est, merci.
Comment ça va, Yevendil Nakuromi? Putain, faut que j'apprenne à me bagarrer, quoi. Putain, je peux pas sortir mon flingue. Je sors mon flingue aussi. Un meurtre de sang-froid. Bah écoute, ça va, ouais. Je visite l'univers de ce Red Dead. On a fait quelques quêtes. Faut être plus attentif dans les tutos. Putain, on croirait entendre Iruma, quoi. Elle est où? C'était où la dernière fois que je l'ai vu? Ah oui, il était là-bas. Putain, mais au pire. Ouais, ça me plaît toujours. Après, j'ai un peu de mal avec le gameplay. Je me dis que je devrais jouer à la manette. Est-ce que je peux le menacer, vous pensez? Il y a un monde où je le tue, quoi. Il veut se battre. Ok. T'as les tutos. Non mais. Voilà. Voilà comme on fait. Vas-y. Ah, qu'est-ce que tu vas là? Je sais pas me battre, mais je suis trop malin. Oh non. Non mais c'est pas un crime. Il est où? Je cours plus vite que toi. Allez, je te laisse partir. Ben non, c'est pas un crime. On devait se battre. On devait faire la bagarre. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, par contre, la caméra. Et qu'est-ce qu'il fait? Oh là 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 là. Il est où? Attendez, il est où ce con de révérend? Oh, putain, il est sur la voie. Oh là là. Putain, comme j'ai été trop malin. Putain, 200 IQ, quoi. Putain, il est où? Oh putain. Putain, il va me faire tuer, ce con. Combien de... Mais qu'est-ce que t'as épin? Oh, il a épin. Oula, ça lag. Mais putain, il fait n'importe quoi. Mais putain, je faisais n'importe quoi, attendez. Non, non, mais... Mais je sais qu'il fallait sauter, mais il fallait que je lui libère le pied et ça marchait pas quand j'appuyais. Oh là là. Il y a eu un bug. Putain. Allez, pour comme par hasard, le train qui vient de pop. Ah, attendez. Plus ça lag. Eh d'accord, faut spammer. Ah moi je maintenais. Ah mais d'accord, j'ai pas compris en fait, faut les spammer le bouton. Faut les spammer le bouton, c'était pas clair. What the hell is wrong with you? Throwing me off a bridge like that?
There's a goddamn train, you crazy bastard! Have I been bad again, Mr. Morgan? I'm sorry. I wish I was different. Pouah, ça marche pas avec nous, hein. Fous-lui une patate. Let's get you home. Home? Yeah, that's a wonderful idea. I could have tea with Margaret. Margaret, who's Margaret? But... Aïe, 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 aïe. Soulevez le révérend. Ah, mon cheval, il est revenu. Allez, comme par magie. Allez. Hop là. Faut juste faire gaffe qu'il n'y ait pas un train. Ah, elle est vraiment bien, moi, je trouve. Et du coup, le fait qu'on ait pu faire la quête autrement que par la bagarre, ça rajoute un plus non négligeable. Moi, j'ai bien aimé pouvoir le faire un peu justement comme un lâche. Là, il allait partir vers Révérend pour lui défoncer la gueule. Le plaquage qui va bien. Mais vraiment, j'ai eu l'impression d'être un génie, quoi. Mais il faudrait que j'apprenne à me battre à Manu parce que ça, j'avoue que j'ai du mal. Il y a un truc que j'ai pas compris. Et là, il me proposait pas de pouvoir parer. Du coup, sa maison, elle est à Valentine. Je me demande comment il fait pour tenir quand même. Hein. Ouais, je pense qu'on retourne à Valentine. Ou alors, non, on retourne à notre camp. Ah, peut-être à notre camp. Mais je me rappelle plus de du révérend. S'il fait partie de notre bande. Ouais, s'il fait partie de notre bande, je me rappelais plus. Attachez votre cheval, mais attends, il faut que j'achète un chou. Alors. Ça, je l'avais complètement oublié, lui. J'enlève le révérend. Hop. Bon, après, du coup, tu disais pour l'aide à les viser, mais maintenant, je pense qu'une fois que j'ai commencé à prendre les touches, je me dis que bah autant y aller à fond. Mais ouais, je pense que j'aurais dû jouer dès le départ à la manette. Je pense que ça aurait été. C'est Margaret, là? Ou c'est la femme de Dutch? Ah, il y a une guitare, je me demande si on peut jouer de la guitare. Ah, faut que je le mette dans son lit. Bah, parce que du coup, j'ai commencé à apprendre, quoi. Je vais avoir 8 heures de jeu, là, à peu près. Tout, 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 tout. Tout en délicatesse. Bah écoute, j'ai pas envie de... Je me dis que le mal est fait. Et c'est elle, Margaret? Mission. Oh, argent! Vous avez vu ça? Gagner deux mains au poker, ramener le révérend au camp. Ouah, mais j'aime pas les missions timées, hein, vraiment. Ouais, bah, mais je pense que je fais une erreur, mais. Ok, donc on a cette quête. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Après, c'est beaucoup plus loin. Tana! C'est quoi cette quête là? De sortir de... demander de sortir Mika de la prison. Pouah. J'ai la flamme. Je vais pas faire un tour à Valentine.
C'est quoi la quête de House? Ossia souhaite vous parler. On peut faire de la chasse aussi, hein. Parce que si je retrouve le... Ah non, je vais pas m'asseoir. T'as allé où, monsieur le boucher? C'est toi? Je vais venir à lui parler. Il s'en fout. Ah oui, ça, ça a donné. Amélioration d'artisanat. Sacoche. Acheter des outils de travail du cuivre via le registre. Ah oui, c'est au camp. Travail du cuivre, je vais acheter peut-être ça. Alors attendez, c'est ici. Un registre. Ah, on va faire des petites commandes. Tatin. C'est où qu'on commande? Ah oui. Tintin. Quartier en priorité. Ouais, mais Dutch, il casse les couilles. Munitions. Pour carabine et flèche. Outil. Ouah, 225 balles! Putain, je vais acheter ça par contre. La qualité et la quantité de munitions disponibles dans les quartiers d'Arthur ont augmenté. Vous pouvez payer pour regarnir le chariot de munitions quand vos stocks sont bas. Ok. Donc après, c'est ça qu'on fera. Après, je vais peut-être mettre un peu de thune pour le... Je vais contribuer quand même. Ça va ta gorge? Ouais, ça va. Donner de l'argent. Ah, donner un objet. Je peux donner un objet. C'était quoi que je devais donner? Un truc de valeur. Je donne. Un. Et voilà, 13. Là, je vais quand même contribuer un petit peu. Donner de l'argent. C'est le jeu de la pompe à essence, comme je l'appelle. Je vais donner 7,63€. 7. Voilà, comme ça, j'aurais donné 20. Pam, 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 pam. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je vais chasser un petit peu? Petite partie de chasse. Je crois qu'il y a des animaux pas trop loin. Fais gaffe, c'est l'hiver, il fait froid. T'inquiète. C'est pas mon cheval, ça. Ouais, mais attends, je te parlerai plus tard, Arcia. Je vais faire une petite partie de chasse, tu m'excuses. Inventaire du cheval. Cheval. Putain, mais... pas censé avoir des... des armes. Ah, parce qu'il est attaché. Ça, vous voulez me dire, faut que je le détache. Faut utiliser l'arc. Je vais donner une galette d'avoine. Quelle erreur. Ah, mais je vais rien voir si c'est la nuit. Salut. Qui? Ah, c'est lui qui fait la garde. Ok, il y a des biches. Mais elles sont déjà enfuies, les biches. Arme. Il est où? Il faut que je prenne mes lunettes aussi. Mes lunettes. Non, c'est dans le piège. J'avais vu une biche.
quoi là? Ah, une moufette. Oh, je pisse la moufette, les gars. J'ai eu la moufette. J'ai eu la moufette, les gars. Je dépèse la mouche. Ah ouais, la moufette. Ok. Peau de moufette. Ah, je récupère. Mais la moufette, c'est pas évident, hein. À choper, hein. Vous avez vu comme c'est petit? Hein? Pas comme un ours. Un ours, c'est facile. Et en plus, ça pue la moufette. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Hop. Ils vont être contents. Hein. Je pense qu'ils vont être contents quand je vais ramener la moufette au camp. Comment ça, amener le cheval hors d'ici? Attendez, je vais récupérer comme la... Non, mais ma viande. Ma viande. C'est de la... C'est pas n'importe quelle moufette. C'est la moufette rayée. Hein. Il est où le... Mon pote. T'as regardé, je vous ramène de la nourriture aussi. C'est comme ça qu'on me remercie. Attendez. Donner. Oh, bien. Ah, je donne pour... Donner pour la cagnotte. Une peau de moufette. Je donne. Petite glande. J'ai donné de la lotion, c'est pas ça que je voulais donner. Et je la donne à qui la viande? Elle veut pas la viande? Je vais pas la garder tout le temps. Elle me fout un bois original. Un cadavre. T'as deux fourrures de loup. Oh bah il faut des couvertures les gars. Carré hein. Bon j'en fais quoi de cette viande? Lui il en veut pas. Pff, ça dégoûte. Lâcher. Vous voyez que je peux lâcher la moufette? Ah. À l'étal de boucher. Mais je fais que ça à l'étal de boucher. Elle est où l'étal de boucher? Oh, ma viande! Du gaspillage! Ça vient plus, je fais des dash. Il faudrait faire un petit rompiche aussi. Hein. Attends, va falloir que je retrouve mon lit. Attends, mais tout le monde dort! Dormez pas! Je pensais que si je leur lâche, ils vont gueuler dessus. Putain, l'étal. Il me dit pourquoi tu nous rapportes un cadavre de moufette. Putain, mais vraiment, il me respecte pas. Putain, c'est où l'étal? Moi, je lâche ici. Oh, bah écoutez.
Oh, ils veulent pas manger de la moufette. Ouais, faut penser à dormir, mais veulent pas ma moufette. Je l'ai chassé avec amour. Je la lâche. Ouais, c'est bon, vous m'avez saoulé. Vous méritez pas ma viande de moufette. Hein. Je me repose auprès du feu. Cuisiner. Je vais cuisiner ma moufette. Putain, elle va avoir le goût de terre à cause de vous. Attendez, est-ce que je peux cuisiner ma moufette? Ah non, je peux pas la cuisiner. Ouais, écoutez, je peux pas la cuisiner. Je me repose près du feu. Putain, dans Breath of the Wild. Fabriquer, cuisiner. Poisson, maigre nature, viande filandreuse. Ah, de la venaison. Je fabrique un tonique. Un petit tonique. Je le range. Et je range mon tonique. Pam. Tac. Retour. Munitions. Ah, bouteille incendiaire. Ça, c'est stylé. Je veux fabriquer. Je fabrique. Retour. Fabriquer. Ah, je peux en fabriquer plusieurs? Allez. Ok. Arme. Ah, je peux fabriquer des armes. Venaison. Ah, en plus, ça c'est bien ça, je cuisinais. Puisqu'ils aiment pas ma viande de moufette. Christ. Je la range. Je la range dans mon petit Tupperware. J'en cuisine un autre. J'en cuisine deux. Ça suffit, hein. Je le range. Non, tiens, je le mange. Miam, miam. J'en cuisine un deuxième. Que je mets dans mon Tupperware. Allez, je le range. Je range ma viande dans ma... dans mon sac. Ok. Bon, il faut faire dodo, là, je pense. C'est pour ça qu'on pouvait faire dodo au feu de camp. Alors, regarde ma viande de... ça dégoûte. J'ai mon mini ma viande. Ouais, mais attends, je vais me coucher, mec. On se parlera demain. T'as allé où, mon lit? Il est là, mon lit? Putain, mais là, j'ai trouvé direct mon lit. Je vais dormir. Ah, j'ai une lettre. J'examine. J'ai reçu une lettre. Dear Arthur, I've written this letter 100 times or more and I cannot get it right. It's me. You know it's me from the bad handwriting. I know I said when we last spoke and I was going off to get married that we would not speak again. I know I said a lot of things and I meant them, I suppose, at the time. But I'm not so proud as to not speak to people who care for me, or cared for me. I've been in Valentine for a couple of months. I had some bad luck, and, well, it's a long story and not an interesting one. But I am here for now. I saw a couple of the girls, or whatever the polite... On va aller voir Marie, vous pensez? ...that ran with you and your associates in town. And I heard tell of a man who said, putain, on va aller voir Marie. I would love to see you again, if you could spare me a little. Bien sûr, bien sûr. I'm renting a room at Chadwick Farm, just north of Valentine. Yours, Mary Linton. Je l'arrange. Je l'arrange. Et je vais dormir.
jusqu'à à midi, 8 heures. Jusqu'à midi. Petit dodo. Ça, c'est vrai que ma paillasse, elle est... C'est pas tout confort, hein. J'ai même pas de toile de tente, moi. Vraiment, je suis vraiment... laissé à la merci de tous, hein. Et je parle des eaux de Driscoll et des moustiques. Ah, nouvelle entrée de carnet. Ah, il y a des fleurs. Attends, je peux exer. Mais des fleurs, on est d'accord? Bref, on... attends. Est-ce qu'on a la quête de Mary? Ah, Mary Linsun. Pour vous demander votre aide. Nous nous aimions autrefois deux. Après, il y a l'autre aussi qui veut me parler, quoi. Mais... c'est d'abord Mary Linsun. Hein. Écoutez, Mary Linsun a ça. Sans doute des arguments que... que Océa n'a pas. Hop. Ouais, ouais, on se parlera demain. Il y a quelque chose à faire. T'as qu'à manger ma moufette. Mais c'est cool ce moyen de narration, tu vois, t'as des lettres qui t'arrivent. Non! Woman! Putain, il casse tes couilles! J'étais pas prêt à me battre. J'arrivais nonchalamment. Putain! Rendez ma thune! Je voulais goumer. Hein. Putain, ma thune! Putain, j'étais pas prêt à me battre, moi. J'en ai tué quand même quelques-uns. Hein. Ouais, faut que je fasse gaffe à tout, quoi. Je suis sur le qui-vive à chaque fois. Là, tiens, là, ça sera... ça pourrait être un spot de chasse, vous avez vu, il y a des chèvres. Enfin, des chèvres, des... ah, des trucs. Hop là. Pff, attendez. C'est qui? Hein. Dès que je vois des trucs, des chemises vertes, des fonds. Ça faut que j'aille aussi Bah, va boire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Attendez. Tu veux une pièce? T'as qu'à demander aux autres Driscoll qui m'ont volé. Putain. Ouais. Ouais, ouais, écoute, ça fait plaisir. Oh putain. Il va me voler? Vous pensez qu'il va me voler?
Il va me voler, je le sais. Tu pues, mec. Ah, par contre, tu vas me suivre ou quoi? Allez, hein, merci. Hein. Putain, il va me suivre, quoi. Il va me suivre, putain. Ah non. Allez, ciao, mon ami. Putain, je voulais aller au médecin. Oh, c'est ici. Oh, ah, j'ai sauté, mais je voulais pas. Ah non, c'est plus loin. Alors, c'est ici. Allez, calme-toi. Calme-toi quand même, Arthur. Yes. Oh, I'm sorry, I didn't mean to disturb you, ma'am. Is Mrs. Linton in? I'll go see. A caller for you. Hello, Arthur. Mary? I heard you and your friends was around. Okay. Where's what's his name? Died. Well, I'm sorry to hear that. Yeah. Me too. Happened a while ago. Pneumonia. Bad business. Sure. So, you've been... you've been made a widow and you come here looking for me, is that it? No, ain't like that, Arthur. Ah, okay. My family... I need your help. You mean the family that always looked down on me? You want me to help? It's my little brother, Jamie. Eh oui, Jamie. At least compared to the rest of them. He's broken Daddy's heart. Daddy has a heart? Don't make me beg you, Arthur. My money, my life, me. I wasn't good enough. I'm sorry. We need your help real bad. Little Jamie's joined the Chelonians, that strange religious order. Good for him. They're quite mad, Arthur. They'll kill him. You're the only person he'd listen to. So, I'm too rough to marry into your family, but it's okay to ask me to help in saving your family. I'm sorry. I understand if you don't want to help me, but... But... Oh. Oh, mais la pire. T'as mis la pire. Je pense souvent en toi parce que j'ai besoin d'aide. Allez, allez, dégage. On s'en fout. Tu t'es vraiment égoïste. Tu te sers de nous. Non? T'as dit non, Arthur, t'en supplie. Dis non. T'as, c'est à moi de faire le choix. Je vais quand même l'aider, mais putain. Carmody Dell, I think. The rancher there said he'd seen him around the Cumberland Forest area. I just want him back, Arthur. If you find him, bring him to me at the station. I'll see what I can do. Ben, j'ai hésité, hein, il vient de dire. J'ai vraiment hésité, mais je me dis que... Ah, non, mais c'est sans... J'ai été RP, quoi. Parce que lui, il a encore des sentiments. C'est pour ça qu'il a répondu directement à la... C'est pour ça qu'il a répondu directement, quoi. Mais oui. Et oui. Oh, par contre, c'est la dash. C'est la dash.
Bah du coup, il est... on va attendre, hein. On va attendre avant de s'occuper de son cas. On va attendre. Je vais aller au médecin. Acheter des... Remarque, j'ai crafté quelques trucs. Après, je peux jouer au poker. Je vais pouvoir tourner au camp. Et on va pas aller à Arcea. Non, mais alors par contre, tu vois... En fait, c'est ça que je trouve dommage dans les jeux. C'est que... Tu sais, si tu vois, si tu veux pas aider, bah tu veux... T'auras aucune récompense. Et en fait, d'une certaine manière, le jeu pousse à malgré toi à accepter les quêtes, quoi. Parce que je suppose si je n'acceptais pas, il y avait pas, la quête ne se poursuivait pas, il n'y avait pas un autre embranchement, quoi. Donc c'est un choix finalement sans en être un vraiment, quoi. Ah, mais comme toi, Yvendil, moi je tuerai. Attendez. Putain, mais la priorité! Priorité! Juste tu traînes! Bah non, mais typiquement si, parce que... Ah, comment dire? Mais en fait, je dis même pas qu'il y a, tu vois, qu'il y a une récompense. Mais qui est, tu vois, qu'il y a une suite de quêtes, tu vois, qui te permettent de faire autre chose après. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que si tu dis non, bah, tu passes à côté de la quête, quoi. Et ça se limite à ça, quoi. Donc c'est un peu dommage, quoi. Et c'est dans ce sens-là que je dis, bah finalement, tu vois, si t'es rationnel, tu vas accepter la quête, même si typiquement, tu l'auras pas accepté, quoi. Tu vois, c'est des trucs que t'es un peu obligé d'accepter, quoi. C'est un peu des faux choix, quoi. Ça, ok, une répercussion. Bah ouais, c'est ça, t'as envie de faire le contenu, quoi. Tu te dis, bah, je vais pas louper une quête, quoi. Parce que comme tu dis, t'auras pas de récompense, tu vas... Ouais, en fait, tu vas... Tu vas perdre des trucs, quoi. T'as aucune contrepartie. Mais pas une... Mais quand je dis une suite de quêtes, c'est... Tu vois qu'il y a un autre embranchement, quoi. C'est... Que si tu décides de pas faire la quête, bah qu'il y ait... Comment ça s'appelle ? Qu'il y ait un autre embranchement, par exemple que tu rencontres le frère ou qu'il se passe quelque chose, quoi. Parce qu'en fait, là, tu dis... Bah, comme il dit, il y a White Wolf. Bah en fait, du coup, tu refuses de faire le contenu, quoi. Donc, c'est un peu de... C'est dans ce sens que je dis qu'il n'y a pas... C'est pas un vrai choix, quoi. C'est juste, bah... C'est comme le fait de... Par exemple, de jouer... Comment ça s'appelle? Quand tu joues en gentil ou en méchant, quoi. Si tu fais le méchant, bah, chaque fois, t'auras... Tu vas louper des trucs et c'est en fait ça qui est dommage. Qu'est-ce que tu veux, Arcea? Ah, il veut qu'on aille chasser. You wanna go hunting? What are you hunting? An elephant? I wish. No. I saw a huge bear. One of the biggest I ever saw. I reckon nearly 1,000 pounds. My god. But you need me to come with you. Of course. Let's go. Where are we heading exactly? Up near the Dakota River. Might take a day or two. I could do with a break from this place. Oh, me too. It's been a rough couple of weeks. You need anything? I don't think so. I got all I need. Let's go then. So you still ain't replaced Boadicea? Nah, I miss her. She was quite a horse. This one's okay, but ain't no Boadicea. I've been meaning to offload this big Shire horse for a while now. Unruly bastard. Where'd you get him? Some big loudmouth bastard tried to rob me. Was out riding, so I... Well, you know how it is. I see. Let's take him to Valentine. It's on the way, sort of. There's a decent dealer there. We'll unload him. You could buy yourself a new horse. Put your saddle on him. Let's get going.
Oh. Alors, maintenez pour centrer la vue sur votre cheval. Enlevez la selle. Est-ce que je peux le caresser ou pas? Tenez-vous près de votre nouveau cheval. Oh putain, on... Putain, on change de cheval. Putain, je sens qu'il va m'arriver malheur. Par contre, il est plus grand. Par contre, il y a un problème de proportion, non? C'est moi qui... Attends, je regarde, mais il y a un problème de proportion. C'est quoi? Ouais, non, il y a un... Oh là là! Il y a un problème de proportion, je pense, hein. Ça, c'est notre cheval principal. Ouais, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il était démesurément plus grand que l'autre. Allez, bim. Un Shire, c'est vraiment ouf, du coup, peut-être. Ouais. Je sais pas, ça me paraissait abusé, mais... Je suis pas expert en cheval, hein. Loin de là. Parce que limite, on dirait presque un cheval de trait. Attends, on passe par là pour aller à Valentine? Dans les 2 mètres? Ah, ok. Ok. Putain, mais il nous fait passer par où? Que ça, puis sur G. Putain, on va l'amener à la boucherie. Pimp my ride. Ah, je vais pas m'acheter un cheval. Mais je vais garder mon cheval. Hey, how can I help you? I'm in the market for a new horse. Something strong and fast. Yeah, well, you're in the right place. I got some beauties in at the moment. Yeah. And what about this one here? Yeah, you looking to sell? I show you. You got papers? No. No papers. Of course, that's going to affect what I can pay. But your luck's in. I got a fella who's been looking for a... Ah, c'est un cheval de trait, donc c'est bien ce que je disais. He'll pay a good price. Moi, je veux pas un cheval de trait, du coup. Here, take a look. Est-ce qu'on veut un cheval de trait, nous? Vendez le cheval ou mettez-le en pension. Mais attendez, ça dépend... Ah, je le vends. Désolé, mon Bob. Mon brave. Trotteur américain. Alors, attends, Morgan, c'est le standard? Non. Ah, il faut que je le nomme. Faut nommer le cheval. Comment on l'appelle? On l'appelle comment? Arrêtez de l'appeler Finjus. Arrêtez.
Est-ce qu'on est à ce point Attends, je crois qu'il y a deux ânes à tonnerre. Est-ce qu'on est beau face poigne, moi Ou alors pire, on l'appelle Thunder. Alors j'ai une idée. On l'appelle Naku. Non, je sais pas, putain, comment on pourrait l'appeler? Non mais arrêtez de la... Pourquoi vous l'appelez comme un cochon? Phrase, c'est horrible. Je vais l'appeler Prime. Ça vous rappellera que Twitch Prime existe. Il s'appelle Prime. Céleri. Le service. Provision pour cheval. Céleri, service. Qu'est-ce qu'on a? Équipement. Celle, sacoche. Améliorer, ça fait quoi améliorer? Trop cher. Tout standard. Étrier, pommeau. Il a déjà tout. Ouais. Apparence, crinière, ah. Ça c'est vraiment pimp my cheval. Hein, quoi. Non. Momawook. Oh non, pas naté. Hein. Oh non. Plus ça rend pas bien parce qu'avec les. Qu'on va le laisser comme ça. Tout pour la thune. Eh oui. Putain, on voit ses roubignoles. Arrêtez. Vite. On a vu ses couilles. Merci pour l'XP, Evendil, ça fait plaisir. Il s'appelle Prime. Je voulais l'appeler Twitch Prime, mais bon, ça. En vrai, Prime, c'est un bon nom. Hein. Oh, une brosse! Trop bien, une brosse. Allez, on est reparti pour. Monter sur votre. Et putain, il est tout blanc! Merde. Connard! Mais il est con ce cheval! Allez, vraiment bête. Hein. Oh là là. Ça va être compliqué. I just hope I can remember how to get there. Back into the mountains. Ah, les montagnes, oh non, pas les montagnes. This time we're doing the chasing. So how are things with you and John? Il va trop vite mon cheval. Trop puissant le cheval. Comme il est malin mon cheval. Tout pour la thune. Oui. Putain mais un échec critique. Comment c'est possible Nakuromi. Putain il y a eu beaucoup de... Les attaquants ils ont eu peu de chance sur ce stream. Ah
La faute à mes cheats, oui. Bande de rageux. Fast travel. Wapiti Reservation. Le Ranch Emerald. Yes, I remember this place. Moonstone Pond. We're going the right way. That's the lake there. Good. We made it. Ah ouais, je suis. Dénouez votre cheval, c'est vite provisionnement. Tab. Attendez. Appuyez sur R pour ouvrir un cheval. Petite galette. Petite galette d'avoine. Et voilà. Pendant que je rachète, hein. Oula, c'est quoi ces cris? Ouais, comme la mouflette. Non, je pense qu'il m'a pas vu chasser la mouflette. Allez, hop. Tac. Je mets mon mode discrétion. Objet. Hop. Mes petites... Et d'accord, c'est un dash, quoi. C'est vraiment un dash ou quoi? Non, ça va. Si vous voyez un lapin, vous me le dites, hein. Putain, je vais avoir mal au dos. Bon, Arthur va avoir mal au dos. Bon, allez, on finit vite cette mission parce que la VOD, elle va durer des ponts. Attendez, il y a un lapin. Ta gueule ou quoi? Putain, je... Retrouve des munitions, mon genre. Non, moi je chasse. Regardez! Pourquoi je peux pas le. Et ce lapin, moi je. Non mais. Quel bâtard. Sale bite. Sale bite. Voilà. Oh là là, quel chasseur. Il est où mon lapin? Mon lapin. Je le dépèce. Lièvre de Californie. Allez hop, on récupère la peau. Je récupère. Attendez. Il s'en fout de la viande ou quoi? Quel connard. J'espère qu'elle va pas me laisser entre les mains comme la viande de moufette, hein. Le petit cri, j'ai trop peur. J'en fais quoi de la viande? Installe le camp. Fichez la route des objets. Objet peut-être. À quand? J'ai compris. Ça se fait aussi vite? Oui. Oui.
Delicious on an open fire like this. Ah. Ils vont nous apprendre à cuisiner. Fabriquer, cuisiner, R. Mais gibier. Haha. Je cuisine. Tu tires et c'est bon, oui. C'est les nouveaux lapins. Avec ouverture facile. Ah, je le mange. Là, j'en prépare un autre. Hein. Je sais jamais si il a faim. Je le range. Hop. Les petits gibiers. Retour. Non ? All right. Well, we better get some rest. Bah oui, on va se reposer, mec. Oh putain, on va devoir chasser un monstre. Je fais dodo. Matin. On dort quand même en plein milieu de la route, hein, vraiment. Hein. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Hein. Avec les eaux de Driscoll qui traînent. Qui me veulent la peau. Non. Je suis pas prêt. Putain, le RP est bye. Bon. We'll see if we can track him, but we might need to lay bait to draw him out. Ah. Bears like fish, obviously. Mais que je veux pas chasser un ours. Bah moi je vais pas chasser l'ours à l'arc, hein, je vous préviens. Putain, je vais mourir. Oh. I hope you know what you're talking about. I grew up in the mountains, Arthur. Je fabrique. I was virtually weaned on bear meat. How you getting on with that bait? I think I got this done. Good. Pack up and we'll get going. Je pars. Grab your stuff, let's go. Je pars. Mais mon cheval, il veut. Il... Okay. Mais tu sais qu'il y a une route, mec. So far, so good. You know, I was in this area with Bessie years ago. Really? Putain, ça a tellement mal se passer la chasse à l'ours. Every day. Every day, I'm shuffling. Putain, mais il y a un pilote automatique sur le cheval. Oh, vas-y, j'aimerais tellement qu'on se baigne. T'as regardé moi dans ce lac. Pourrait se baigner. Ah, oh, j'ai envie d'aller me baigner. On va se baigner. J'ai envie de me baigner, les gars. Oh, oh je me baignerai plus tard. J'espère qu'on peut se baigner, hein. Aïe, je me suis pris un arbre. Aïe. Ok. Mon cheval, il a peur de rien. Il... Ah. Allez, vous venez d'entrer sur le territoire d'un animal légendaire. Oh, mais j'ai ça. T'avais ces sorts de sorceleurs, vous avez vu? Là, je vois qu'il me pousse, connard. J'examine. Appuyez sur A.
T'as mis l'ours légendaire. Légendaire doré. Dun 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 dun. Je suis la piste. Ta musique est stressante. J'aimerais faire des prédictions si vous pensez que j'ai réussi la mission du premier coup. Bah. Ok. On a vu. C'est du poisson ? Je suis la piste. Putain, je vais me faire tellement démolir. Rip moi. Ni 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 ni. Oui bah j'ai bon, j'ai où il est l'indice. Attention, pas marcher dans sa merde, lol. Ah, l'ours ne devrait pas être loin. Elle est bien fraîche. On va aller dans la tanière de l'ours. Optimism, Arthur. Well, what do you think? I think we split up. Pour quelle mauvaise idée? We could place bait here. That could work. Which you think? On pose la paille ici. Je refuse de me séparer. Fine by me. Let's leave the bag over there. By those boulders up ahead, looks like a good spot for it. Séparer, mais ça va pas bien, oui. J'ai mon arme qui est prête. Putain, mais. Oh, j'ai pas pris mon arme. Fuck. Je crois que j'ai pas pris mon arme sur le cheval. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer, hein. Je vais l'avoir. J'ouvre ma sacoche. Je l'utilise. Putain. Now we wait. Putain, mais j'ai. Attendez. Mais pousse-toi! Fils de pute! Pardon, excusez-moi. Putain, j'y vais avec mon flingue. Hey, did that bait look okay to you? I think so. You're the expert. Ready with your gun there? I'm good. You okay? You seem nervous. Putain, j'ai pas mon arme. I'm fine. Shame. Shame. Just take a look at that bait. Il est bête ou quoi? Come on. Putain, il est où mon cheval? It, I know, but we need to do this right. Oh, il va se faire attaquer. Y'a que lui qui entend pas le cri d'un ours? Il va venir de l'autre côté, je sens. Qu'est-ce que tu fais, mec? T'es bête ou quoi? C'est à bouffer. You're a dead man. Putain, qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Il veut pas que j'aille avec lui, quand même. Oh, putain, s'il veut que j'aille avec lui. Mais j'en étais sûr!
Mais qu'est-ce que je vais faire moi avec mon... Mais... Mais putain, j'appuie sur le bouton pour mettre un truc. Il est où? Je me suis fait bouffer. T'es où? Mais regarde l'autre qui s'est enfui. Et moi, je me suis fait bouffer. That was fun. You know what, Arthur Morgan, I'm a little old and beaten up to be after the biggest game. You can have this. What is it? It's a map. A man in a bar gave it to me. Well, I stole it from him, but that's another. Putain, j'ai enlevé mon sang-froid, du coup, je me suis fait déchiqueter. Thank you. It's a pleasure. You saved my life, Arthur. Bah, j'ai failli mourir, hein. Mais il a l'air de vite s'en être remis. You coming or you gonna track that monster? Well, je raccompagne Arthur. Oui. I'm coming with you. Let's get going, then. Moi aussi, je suis trop vieux. C'est une bien belle mission. C'est un plaisir de me faire bouffer par un ours. Je recommande l'expérience. Mais je m'en fous, j'ai un nouveau cheval. Il s'appelle Prime, comme Twitch Prime. Ça, vous savez vous que avec Amazon Prime, vous avez un sub gratuit. Ben voilà, moi je vous le dis. Je vais l'attacher. Ok, je vais me faire défoncer. Une blessure d'amour propre. Après avoir repéré un ours près de Dracota River, Sia et Arthur se mettent en route pour le traquer. Tirer au moins 6 fois sur l'ours, terminer la mission en moins de 12 minutes, traquer l'ours en moins d'une minute 30. Oui, bien sûr. Alors, on va regarder la carte parce que maintenant on a les créatures légendaires. Quoi ça? Non, ça c'est une écurie légendaire. Je l'avais pas dit qu'on devait avoir les créatures légendaires. Bref. Bref, écoutez, on va s'arrêter là pour cette session de stream. J'espère que ça vous a plu. On a quand même pas mal avancé, hein. On a fait quelques missions. On a fait quasiment même toutes les missions du camp, a priori. Donc maintenant, voilà, il va falloir s'aventurer hors de cette zone. Hors de notre première zone de... d'action entre Valentine et du coup le camp. Je pense qu'on ira voir Emmett Granger, qui est pas loin. On continuera à avancer tranquillement. Mais par contre, je ne vois toujours pas les créatures, les bêtes. Pourtant, il nous a donné la carte, donc je pense qu'il faudra peut-être la lire éventuellement. Les cartes. Ah oui, utiliser peut-être. Lire. Ah. Cougar, antilope, bison, cerf, mouflon, bison, loup, ours, orignal, castor, sanglier, coyote, renard, wapiti. Ah oui, donc ça veut dire qu'on sait à peu près dans chaque zone ce qu'il peut y avoir. Okay. Je l'arrange. Est-ce que ça a mis à jour notre map ou pas? Non. Ok. Bon, et bien écoutez, comme je vous dis, on va se laisser là. Merci YouTube d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. On se donne rendez-vous très bientôt pour la suite de nos aventures.